Bonjour, c'est Sylvain de Verdun Porte et Fenêtre. Et là, je vais vous montrer comment ajuster et maintenir une fenêtre awning. Là, je vais vous montrer comment enlever un moustiquaire sur une fenêtre battante. Donc, tu as juste à peser pour comprimer le spring, sortir le haut. Même chose pour la remettre à sa place. Tu comprimes le spring en bas, tu rentres le haut. Là, je vais vous montrer comment installer une manivelle. Donc, la première étape, ça serait de fermer la fenêtre, t'assurer que la manivelle, elle va tomber dans une bonne place. Prochaine étape, ça serait d'ouvrir la fenêtre, puis de serrer la vis. Là, je vais vous montrer l'ajustement sur les pentures. Donc, ici, tu vas rentrer ton outil. Puis tu vas être capable de monter ou descendre la penture, dépendamment où tu veux aller. Si tu veux aller vers le bas, tu vas vers le bas, tu veux monter, tu le montes. Sur l'ajustement de penture, tu vas faire ça si nécessaire, si le volet n'est pas centré dans la fenêtre. Ça, c'est l'ajustement pour le faire plus centré. Quand tu ajustes la penture sur une fenêtre, si tu fais la côté gauche, il faut aussi faire la côté à droite. Et là, je vais vous montrer comment enlever le volet dans une fenêtre. Donc, premièrement, tu vas juste ouvrir la fenêtre, détacher le crank. Ici, j'ai quelqu'un à l'extérieur pour m'aider pour tenir la pesanteur de la fenêtre. Moi, je recommande que tu aies quelqu'un pour t'aider avec ça, ça devient pas mal pesant. Donc, après le crank est détaché, on va enlever les pentures, les deux côtés. Là, on peut le descendre. Puis là, il est enlevé. Pour la remettre, tu commences par mettre les glissantes noires dans la track. Tu le montes vers le haut. Tu attaches la pointure. Et après ça, tu as juste à attacher la manivelle. Voilà. Et là, pour lubrifier la fenêtre, moi je recommande ce produit ici, c'est juste du silicone. Donc c'est facile, tu as juste à sprayer ça sur la track. Et n'oublie pas de faire les deux côtés. Quand tu lubrifies une fenêtre, moi je recommande de le faire l'automne puis printemps, donc de le faire deux fois par année. Pour nettoyer la vitre, moi je recommande n'importe quelle sorte de nettoyeur de vitre. Il n'y a pas d'ammonia. So, pas de Windex. À cause de ça, ça va sécher le vinyle sur la fenêtre.